the Germans. They moved a lot, and I moved with them. I shadowed the right back and forth across their ill-gotten lands, and I moved when they moved until the time was right. Until I knew where he was, until I knew it was him. And I caught up with them. You're serious? The Germans covered it up. And so did we. And history marched on just like you read about. By the time I got to that miserable man, his words had grown beyond him. And his ideas continued to do all the damage they could possibly do without him. That day I just killed a man. What he stood for was unstoppable. I'm sorry, this is World War II? The Nazis. They had their phonies all lined up. Three, maybe four of them. By the time the Russians put a lid on Berlin. Project Valkyrie, the success. They got number two. The last one was a coward and a womanizer, but a coward first. Shot himself in a bunker. Killed his dog, too. What do you think that little mustache was for? The hair? The uniform? The entire look? It was a costume. All part of a plan. It's easy to fool the stupid and willing. What I did that day didn't mean a thing. I just killed a man. A monster lived on. And in the end, the war was won by heroes, not me. Do you understand? It's nothing like the comic book you want it to be. Now you know. Are you happy? S'il vous plaît, what are you gentlemen talking about? All I ever did was what they said. And that's it. I always did exactly what they said. So there it is. And that's it. Hi. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, proche de bien. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie. Je suis une super machine à combattre. Je suis une super machine à combattre. Je suis un robot. Les robots, c'est cool. Y a plein de robots dans les BD. J'adore les BD. J'adore les gâteaux. Les gâteaux. Les gâteaux. Les gâteaux. Et pourquoi les gâteaux? C'est pas à ça que je dois penser. Un truc qui rime avec gâteau. Cadeau, sanglot, caveau, eau. Gâteau. Gâteau. Non, alors. Gâteau.
bande dessinée, combattre robot, machine à combattre. Moi, je suis une super machine à combattre. Je suis une super machine à combattre. Je suis une super machine à combattre. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien entendu le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous avons autour de cette table dans notre studio bis de Canal B, puisque nous sommes encore une fois dans la cuisine, sous-cuisine d'Antonin, derrière les fours. La troisième cuisine. Nous sommes en compagnie, encore une fois, de notre intérimaire, Jules Topoc. Bonjour Jules Topoc. Bonjour, et bien pour une fois, là je me sens complètement légitime, contrairement à la semaine dernière, d'être là. J'étais en train de faire la vaisselle d'Antonin, donc là on m'a demandé d'intervenir et je suis présent parmi vous aujourd'hui. Je tiens à préciser, puisque nous sommes dans cette arrière-cuisine, que nous devons aussi partager les micros. Nous n'avons que deux micros. Jules Topoc et moi-même allons donc nous partager cette chose avec un bout orange que je tiens à la main et que je colle contre ma bouche. Merci Jules Topoc d'être avec nous ce soir pour parler de trois films peut-être. On démarrera avec le Alita, le meilleur film de Robert Rodriguez et le pire film de James Cameron qui vient de sortir sur nos écrans. On enchaînera, et c'est surtout pour ça que Jules Topoc est présent, avec The Favorite de Yorgos Lanthimos. Après, t'as vu, j'ai à peu près bien dit, hein, Jules Topoc opine du chef, je ferai le traducteur de son langage des signes. Voilà, que nous avons peu apprécié, moi et Antonin, alors même que Jules Topoc considère ce film comme le meilleur de la décennie. Il l'a vu trois fois. Et puis nous terminerons peut-être avec The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot. Je ne sais même plus le nom du réalisateur, qui est encore plus imprononçable que Yorgos Lanthimos. Et on verra le temps qu'il n'aurait surtout pour ça. On vient d'entendre un extrait juste avant le générique de ce film plutôt sympathique. Nous démarrons tout de suite donc avec ce Alita, projet porté pendant très longtemps par James Cameron, et je vais laisser Antonin en parler pendant que je tends le micro à Jules Topoc, qui lui l'a vu alors que moi pas du tout. Oui, alors voilà, Alita Battle Angel, moi que j'attendais pas vraiment, parce que voilà, Robert Rodriguez au générique, ça ne me tentait guère. Effectivement, voilà, il y avait toujours cette petite espoir que James Cameron étant aux commandes à la production, ça puisse être intéressant. Donc moi, c'est le genre de blockbuster que je vais voir, même si les blockbusters, on le sait, voilà, maintenant, moi, je n'y vais plus trop, parce que j'y crois pas trop. Là, en termes de promesses techniques, de toute façon, c'était relativement alléchant. Film, de toute façon, moi j'ai l'impression qu'il est largement au-dessus de la mêlée, hein, on en parlait, voilà, c'est en termes de pure mise en scène, en tout cas en ce qui concerne le volet le plus spectaculaire du film, c'est vraiment carrément au-dessus de la mêlée, et en plus vraiment très appréciable, hein, en termes de lisibilité des combats, en termes de maîtrise des effets spéciaux. Là il y a encore une sorte de tour de force tel que James Cameron en a l'habitude, c'est-à-dire une sorte de pure présence d'un personnage purement artificiel, hein. Je pense au personnage d'Alita qui est fait en performance capture, me semble-t-il, et qui reste le personnage le plus émouvant du film, le plus humain, celui qui existe le plus, un peu comme ce qu'il avait pu faire dans Avatar, qui vraiment était une déclaration d'intention là-dessus, hein, même en termes méta, hein, c'est-à-dire de mettre en scène le film. Toute la partie en image de synthèse, en performance capture, c'était cette partie-là où toutes les valeurs humaines, toute l'humanité était convoquée, alors que la personnage en prise de vue réelle, toutes les scènes en prise de vue réelle, étaient presque fadasses, assez inhumaines dans les intentions de tous les protagonistes. Donc il y a cette sorte de volonté de créer un nouveau cinéma, une sorte de cinéma mutant, où l'humanité, ce qui resterait de l'humanité en tant qu'idée, serait investi dans quelque chose d'au contraire artificiel, c'est-à-dire d'une pure création numérique. On retrouve ça dans les thématiques. Alors moi, je tiens à préciser qu'évidemment, je suis un inculte, donc je ne connais pas la BD ni l'OAV. Et d'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est un OAV. On me le dit souvent et j'ai même entendu, voilà, un OAV, c'est une maladie probablement. Et voilà, en tout cas, je ne connais ni le manga ni l'anime. Donc je ne suis pas du tout familier de ça. Moi, voilà, j'ai pris un plaisir assez sporadique, on va dire, pendant le film. À chaque scène d'action, j'étais content. Et le truc qui m'a vraiment gêné, c'est que j'ai l'impression que le film, dans son déroulé dramaturgique, portait des promesses de vrai cinéma, de quelque chose d'intéressant, qu'il ne réalisait jamais vraiment. Alors je mets ça
sur le compte, et c'est peut-être ma cinéphile qui parle, de l'exécution de Robert Rodriguez, parce que je pense que toutes les promesses sont celles de la production, de James Cameron c'est et juste compagnie. Pour, peut-être que les gens ont oublié qui était Robert Rodriguez, c'est par exemple le monsieur qui a réalisé Machete Kills, qui était peut-être l'un des pires films où apparaît Mel Gibson. C'était très triste, et qui s'était fait connaître dans les années 90, fin 90, avec des films comme Desperado, notamment un copain de Tarantino, tout le bordel, qui a accumulé quand même les réalisations lamentables. Ouais, ouais, je pense que c'est... Et qui parvient toujours à faire du cinéma malgré tout. Mais je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui... C'est une zone de scission peut-être de génération, hein, parce que Robert Rodriguez, c'est celui aussi qui a fait les Sin City, qui a encore quelques admirateurs. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup encore, parce que je ne suis pas sûr que ça traverse les temps beaucoup, l'admiration que certaines personnes avaient pour Sin City à l'époque. Les Spy Kids, peut-être qu'il y a des gamins qui ont découvert ça quand ils étaient enfants et qui trouvent ça toujours super et qui se les rematent régulièrement. Je ne sais pas, mais c'est vraiment quelqu'un où moi, j'étais contemporain de son ascension, on va dire, avec Une Nuit en Enfer et puis Planète Terror, et j'ai toujours trouvé ça un peu naze. Et je pense que c'est des films, pour le coup, quand on les revoit, qui portent très très fort les outrages du temps, quoi. Et parce qu'il y a une façon chez lui de ne serrer absolument aucun enjeu des figures qu'il déploie, en fait. C'est quelque chose de très geek chez lui, de très, c'est un cinéaste de genre qui clame son amour pour le genre, qui déploie des figures de genre extrêmement archétypales, mais qui est incapable d'aller au-delà du strict déploiement de figures archétypales, qu'il arrive certes des fois un peu iconicisé, c'est-à-dire de créer des vraies figures. Je pense à dans Planète Terror, le personnage de la nana badass avec un flingue dans à la place du pied, qui est une figure assez impactante pour une affiche de cinéma. Mais on voit bien que quand on regarde le film, ça n'a aucun intérêt. Et puis même toute la force un peu rigolote qu'il pourrait y avoir dans le film, ça ne tient pas, quoi, ça marche pas, quoi, ça va pas au-delà de l'idée. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi, dans Alita Battle Angel. Dans le fait que Sin City, pour moi, ait vraiment été une carte de visite donnée à James Cameron pour engager un cinéaste faiseur qui arrive à annuler, parce que je sais même pas s'il a une vision d'auteur, ce bonhomme-là, parce que vraiment, oui, c'est un degré zéro du cinéaste. Et avec Sin City, de pouvoir annuler sa vision d'auteur et de s'adapter complètement à... Alors, rappelez-moi, je suis une buse en BD. Sin City, c'est Frank Miller. Donc, Frank Miller, de pouvoir case par case d'adapter, vraiment, là, le terme est vraiment prégnant, avec une adaptation mot pour mot et image par image. Ouais. Et j'ai bien l'impression que Cameron, en bon producteur qu'il peut être également, ait trouvé le sésame pour mettre sa vision d'Alita et sa vision du scénario dans les mains d'un faiseur qu'il allait pouvoir mettre en place quelque chose qu'il avait pu imaginer mais qu'il avait peut-être pas le temps de faire avec tous ses projets d'Avatar avec ses 2, 3, 4, 5, 6 je sais pas combien et de pondre finalement un objet qui se regarde complètement. Et là, je suis d'accord sur les séquences d'action, et pour une des rares fois, une lisibilité dans les séquences d'action où moi j'y allais vraiment avec beaucoup beaucoup de recul en me disant qu'est-ce qu'il va nous faire ce Rodriguez, qui est quand même un peu réputé pour être un gros tâcheron, et la seule fois où il avait réussi à mettre en avant ce côté tâcheron, c'est justement en faisant Planète Terror, où l'excuse de la mise en scène de pondre un film un peu fait par-dessus la jambe à l'image des slashers ou des films dont il s'inspirait, là passait un petit peu sous les mailles du filet de la mise en scène, alors que avec Alita il s'en sort, je pense, moi je trouve un peu au-dessus de la mêlée dans les séquences d'action qui sont très fluides et qui valent le coup. Donc moi j'ai pris un bon plaisir au spectateur. Après qu'on essaie de me rappeler ce que ça implique comme tenant et aboutissant de l'humanité, ça c'est le degré zéro de l'histoire que ça raconte, mais c'est comme un film qui se regarde uniquement sur les bonus dans un DVD en zappant les séquences de dialogue et en allant directement sur les séquences d'action. Mais c'est moi je trouve ça hyper regrettable. En fait, moi je me suis
Après, c'est toujours compliqué parce que moi, je pense que je ne sais pas si je suis vraiment le public cible pour ce genre de film. Parce que je pense que c'est vraiment le public cible. On sait comment ça peut se passer à Hollywood de tout temps et ça s'est peut-être un petit peu accentué. C'est aussi de faire des films un peu absolument tout public. Hein. On a vraiment le règne un peu du young adult. Donc, il faut absolument minimiser absolument tout ce qui pourrait être dérangeant en termes de violence et compagnie, mais tout en présentant des univers. Tu veux dire européen qui... hein? Tu veux dire faire un cinéma européen? Européen, je ne sais pas. Parce que Hollywood, enfin moi m'a procuré mes images de violence les plus impactantes, tu vois. Enfin, je pense à Robocop, je pense même à Terminator ou Terminator 2 de James Cameron ou voilà la scène de Terminator 2 qui est pourtant voilà réputée comme une sorte de côté light de Terminator. Moi, la scène de l'apocalypse nucléaire, c'est un truc qui m'a marqué profondément. Et pourtant, c'est dans un film qui, oui, a été interdit aux moins de 12 ans, certes, mais voilà, là, on est plutôt dans des films qui ne doivent pas être interdits aux moins de 12 ans, qui sont tout public, avec avertissement, mais qui du coup, et pourtant, se passent dans des univers soi-disant hyper violents. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vachement, moi, je trouve, en ce moment. Il y a vraiment une sorte de production massive hein, de films de science-fiction, d'Uchronie, de films post-apocalyptiques, de films de zombies. Il suffit de voir même les productions Netflix. Hein. Il y a un film de science-fiction, production Netflix ou rachat Netflix qui sort tous les mois sur des univers très très noirs. Et moi j'en vois quelques-uns où je regarde une demi-heure pour me faire une idée. Et c'est hallucinant de voir à quel point ils sont absolument sans. Édulcorés. Ouais. Il y a un côté très. Très fade, qui fait qu'on à aucun moment on ne ressent une sorte de dureté de l'univers dépeint. Enfin, l'univers dépeint est dur parce qu'il est dit par les personnages. Mais parce que les films durs aujourd'hui sont presque des films, non pas de niche, mais en tout cas qui ont leur case à eux. Et on évite ces mélanges comme on a pu en avoir beaucoup dans les années 80-90, où là, pour le coup, justement, le cinéma d'horreur avait influencé, enfin, avait pénétré, irrigué le cinéma mainstream. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, on a déjà parlé du cinéma de à quel point tous les genres pouvaient un peu, voilà, les spécialisations des films pouvait se faire et on a ça évidemment dans le blockbuster de toute façon quoi. On va essayer de tout mélanger mais de passer à la moulinette mais pour que ça soit consommable par tout le monde de toute façon. Donc cette violence là, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare de la trouver, que ça soit la violence, les images qui vont choquer, on va dire, entre guillemets quoi. Je pense que parce qu'il s'agit pas juste de faire exploser une cervelle. Ça il y en a encore plein qui le fait. Rodriguez l'a fait souvent d'ailleurs. Je pense qu'il se fait plaisir même à faire exploser les cervelles, en fait. Rodriguez, le gore, c'est pas un truc qui l'inquiète absolument ouais, pas sûr, on sait qu'il l'a fait. Il a fait des séances de striptease un peu gore qui mélangent tous les ingrédients qu'on peut avoir, qu'on a pu aimer dans certains films et qui sont la base un peu d'une violence un peu dérangeante, hein. Mêler l'héros et le Thanatos, on pense à Salma Hayek dans Une nuit en enfer et tout ça. Il a pu faire ce genre de trucs, mais c'est des trucs qui, chez Rodriguez, sont réduits à l'espace de blague. Je suis d'accord que c'est inoffensif, ça n'a jamais été une violence qui fait mal chez Rodriguez, même dans Desperado, qui était, moi, un film que j'aimais bien quand j'étais au collège. Hein. C'était amusant de voir des gens voler quand ils se prenaient une balle, mais justement, c'était amusant. Oui. Ça a toujours été une violence amusante. Quoi. Ouais, de toute façon, Robert Rodriguez, tout comme Quentin Tarantino, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont devenus potes ou je sais pas quoi, c'est des premières générations de cinéastes un peu geeks qui ont su très bien identifier ce qu'ils ont aimé au cinéma quand ils étaient ados et ce qu'ils aimaient toujours et qui l'ont resservi en termes de pure violence plastique, mais c'est tout, et sans implication émotionnelle. Et moi, c'est ça qui me dérange à fond, et c'est ça que dans lequel je trouve Alita. Oui, il ne s'agit pas de faire d'ailleurs de la violence visuelle comme du gore, parce que quand tu parlais de films post-apocalyptiques par exemple, je pense à Fury Road évidemment, Fury Road qui lui-même ne comprend pas particulièrement d'images sanglantes, on va dire quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un ressenti de violence en fait, même si elle n'est pas... Alors évidemment, Jules Topoc ne soutient pas cette proposition, mais voilà, dans le genre film post-apocalyptique, sans avoir à montrer des images d'une certaine violence graphique, on peut comprendre que le monde lui-même est violent. Oui, c'est ça, mais je pense que moi, ça m'a rappelé en fait la façon, parce que Alita, bon, pour ceux qui sont pas au courant du truc, ça se passe dans un monde très très
avec des classes extrêmement distinctes où il y a une sorte de cité volante qui comporterait les classes aisées, et puis en bas ça serait la plèbe où tout serait tout se passerait très très mal, ça serait un peu débrouillé compagnie. On imagine un peu le tableau, c'est-à-dire maladie, absence de ressources, de soins, de bouffe et je sais pas quoi. Et on nous dit par les dialogues que c'est vraiment la jungle ici et qu'il faut vraiment se débrouiller pour pouvoir s'en sortir et que c'est un petit peu la loi du plus fort et que on nourrit l'espérance un petit peu d'atteindre la haute classe, enfin les classes supérieures, en gagnant une sorte de jeu hyper violent où le gagnant de ce grand tournoi pourrait atteindre les classes hautes. Donc là, on voit très bien ce que c'est en termes de science-fiction, que ce soit littéraire ou de cinéma. Hein. C'est un peu les Running Man pour le sport hyper violent, Rollerball, et puis beaucoup de... Il y a un côté 97 aussi, New York 97. Ouais, il y a ça, de côté ouais, géographiquement, on a vraiment radicalisé cet espace de ghetto, de lutte des classes. On a radicalisé ça dans l'espace, radicalisé le principe de ghetto qui existe maintenant, mais on l'a radicalisé de façon en anticipation, quoi. Mais dans le film Alita, à aucun moment on ressent que c'est compliqué de vivre dans ce monde-là, parce qu'il y a justement ce truc de faut que le film soit séduisant à chaque instant. Donc on a les personnages qui sont plutôt propres, qui sont toujours un petit peu, qui sont des adolescents, un peu, mais adolescents en mode plastiquement, quoi. Enfin, vraiment les petits pectoraux bien faits de capitaine de l'équipe de rugby, ouais. Avec tout les dreads un peu bien faites. Cette utopie de... Une sorte d'utopie, ouais. C'est comme si d'un coup... Mais pas du tout. Enfin, on n'est pas du tout à aucun moment dans un monde à la Verhoeven, ni même au Spielberg de Minority Report, qui, pareil, fonctionnait un peu là-dessus, sur une sorte d'uchronie de monde à la fois ultra high-tech, avec des banlieues qui étaient vraiment plutôt proprettes, et puis des bas-fonds, quoi, vraiment, où d'un coup, il suffisait que juste Tom Cruise aille faire son jogging dans une ruelle un peu sombre et croise à un clodo pour qu'on devine que cette société, il y a quelque chose qui ne tournait pas rond, qu'il y avait un système de coercition extrêmement puissant et qu'on devine et que du coup ça résonne dans le mal-être du personnage principal et sur tout un questionnement moral que le personnage pouvait se poser et qui habitait tout le film dans son entier. Là, à aucun moment il y a cette violence-là, que ça soit une violence graphique, une violence morale, une violence psychologique, qui vienne donner une petite claque au spectateur pour dire attention, il va falloir que ça, enfin le monde que l'on vous présente est un petit peu dérangeant. Non, tout reste dans quelque chose qui est directement consommable, et ce qui fait qu'il y a absolument aucun enjeu dans aucune des scènes, quoi. Et c'est aucun enjeu, il y a seulement un enjeu, on va dire final, qui fait que ça propulse le futur spectateur à anticiper l'achat d'une place pour aller voir Alita 2. Ouais. Voilà le vecteur de cette grosse consommation qu'on a bouffé pendant quasiment 2 heures, et de se dire tu vas revenir mon coco parce qu'on t'a amené dans un univers qui est certes très faux et on va pas remettre en cause une géopolitique là-dessus, on va seulement t'amener vers une autre surenchère d'effets spéciaux. Donc c'est un film de producteur complet, ouais. Un film de malin, mais un film qui rentre dans son cahier des charges. Ouais, mais ceci dit, moi je pense qu'il y a des promesses dans le film qui ne sont absolument pas tenues. Moi je suis persuadé que ça tient à un truc de mise en scène. C'est que pour moi le scénario du film, par exemple, il n'est pas mauvais. Il est certes classique comme James Cameron a pu en faire, mais il n'est pas mauvais. Il y a des scènes qui sont... par exemple, il y a un truc où à aucun moment je pense qu'un spectateur puisse se dire dans le film... Tiens, c'est étonnant, il y a quand même un mec, un jeune, un personnage, qui tombe amoureux d'un robot. Et à aucun moment, c'est pris en charge dans le film, enfin presque en termes émotionnels. Alors que ça devrait être un truc qui devrait être au minimum un petit peu dérangeant. Ah non, mais cette question-là, elle est annulée très vite. Enfin, rappelle-toi, est-ce que je peux tomber amoureux d'un robot ? La réponse, oui. Ah bah voilà, poum, on passe à autre chose. Tout est géré de façon... en termes de texte, en termes de récit, en termes dans le scénario, c'est là. Il y a une application stricte du scénario, mais en termes de mise en scène, à aucun moment il y a un investissement émotionnel. Et je pense à une scène en particulier, qui est la scène qui pourrait être excessivement mélodramatique et très très belle. C'est la scène où elle lui donne son cœur, elle sort son cœur de sa carapace d'androïde, elle lui donne.
Et ça devrait, ça pourrait, entre les mains d'un grand cinéaste, devenir quelque chose de très puissant. De très parce puissant, que, ouais. Avec beaucoup d'enjeux mélodramatiques et en plus actualisé à la sauce science-fictionnelle. Quoi. C'est que parce là, que d'un coup, on peut figurer cette chose-là et ça pourrait être extrêmement émouvant en termes mélodramatiques, vraiment. Et là, la scène glisse toute seule et en plus elle est surcommentée par derrière en disant où les personnages ils sortent, ils disent bah oh, disons c'était hyper c'était costaud, intense ouais, ouais, ouais. Donc il y a une sorte de, c'est encore le texte qui prend le dessus, c'est-à-dire le scénario, les dialogues, tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, mais à aucun moment les sentiments ne sont entrés en jeu. Il faut, dès qu'il y a un sentiment, il faut qu'il soit, et qui devrait être très fort dans le film, il est surcommenté par un dialogue, et c'est dramatique. Moi je vois de voir ce genre de truc, parce que je pense que tout le film obéit à cette logique-là. C'est que on voit, on découvre le jeu de speedball là, ou je sais pas quoi, qui devrait être violent. On devrait avoir un rapport un peu paradoxal de jouissance à voir ça, parce qu'on est fan de science-fiction. On veut voir des trucs hyper violents. On devrait aussi avoir un mouvement inverse de dire ouh là là, ça fait mal parce que le jeu est hyper violent. Mais à aucun moment. Et qu'il y a un enjeu extérieur aussi, et que quelqu'un l'attend à la maison, enfin, dire, ouais. Pour extrapoler là-dessus. Ouais. Là, on voit ce truc-là et ça glisse tout seul. C'est juste une pure jouissance d'image toute seule, sans ce regard. Ouais, ce regard un peu voyeur qu'on peut avoir, le plaisir. Enfin, voilà, on voit des films de science-fiction parce qu'aussi on a du plaisir à voir des uchronies. On a un plaisir à voir un truc purement de monde un peu, enfin ouais, de monde un peu déliquescent. Il y a une jouissance à voir ce truc de destruction, mais et ça doit être questionné, ce regard-là. Et là, dans le film, moi, j'ai l'impression que non, ça glisse. On va peut-être passer à autre chose, puisque vous parlez depuis tout à l'heure d'un film de merde, visiblement. Mais qui reste bien au-dessus de la mêlée. Hein, quand Alita même. De Robert Rodriguez qui est au cinéma. On va faire une courte pause. On va écouter un extrait de The Lobster et puis juste après, nous parlerons du dernier film de Yorgos Lanthimos, à savoir The Favorite, qui vient lui aussi de sortir au cinéma. Un soir, dans le bus, il était à côté de la femme qui aimait les petits gâteaux. Il regardait par la fenêtre, sans but particulier, juste pour éviter de lui parler. Comment va Bob ? Il va bien. Je donnerais tout pour aller me promener avec Bob et vous, un après-midi. Le chien doit rester dans la chambre, malheureusement. Certaines excuses sont absolument imparables, se dit-il. Il est vrai que certaines excuses sont sans aucun doute meilleures que d'autres. Et celle-ci était excellente. Tenez, ces sablés sont pour Bob. Je veux que vous lui en donniez un chaque fois qu'il méritera une récompense. Dites-lui que c'est de ma part. Merci. Je pourrais venir dans votre chambre pour bavarder. Je pourrais vous faire une pipe ou vous pourriez juste me baiser. Je n'ai absolument rien contre la sodomie, si c'est votre truc, et j'avale toujours après une fellation. Mon ex-mari disait toujours que j'avais les plus belles cuisses qu'il ait jamais vues, mais je préfère ne pas parler de lui. Mon numéro de chambre est le 180, donc mon poste, c'est le 180 aussi. Ce soir, j'aimerais attraper des solitaires. Les dernières fois, je n'en ai eu aucun. Je vous souhaite d'en attraper plein, vous aussi. Merci beaucoup. Si je trouve pas très vite un compagnon, je le jure, je vais me tuer en me jetant du haut d'une des chambres. Par la fenêtre. Je voulais que vous le sachiez. Ma chambre est au premier étage. J'espère attraper des solitaires aujourd'hui, avait-elle dit. Et vous souhaitez d'en attraper plein, vous aussi. Elle lui avait dit ensuite que si elle ne trouvait pas un compagnon très vite, elle se tuerait en sautant par la fenêtre d'une des chambres. La 320, peut-être. Ou une chambre plus en hauteur, la 480. Ce serait encore mieux. Quand elle s'arrêta de parler, il la fixa sans la moindre expression, ne sachant pas quoi dire. Puis, il regarda les bois dehors et se félicita une fois encore pour son excellente excuse. C'était donc un extrait de The Lobster de Yorgos Lanthimos. Rapidement, on a invité Jules Topok surtout pour qu'il nous explique ce qui lui a tant plu dans le The Favorite. Yorgos Lanthimos, on n'en a jamais trop parlé dans cette émission, je crois, peut-être bien que Antonin t'en avait mentionné pour The Lobster. Un type qui s'est fait connaître il y a 10 ans maintenant, en 2009, donc c'était pour Canine qui était passé à Cannes. Donc on a affaire à un grec qui a décidé non pas d'imiter John Cassavetes, comme ça devrait être le cas, mais plutôt Kubrick. Et,
Et même s'il a fait d'autres films, donc les deux derniers qu'il avait fait avant ça, qui avaient fait un petit peu parler, donc c'était The Lobster, et puis l'année dernière, La mise à mort du cerf sacré, qui était l'un des pires films que j'ai vu depuis très très longtemps, je pense. Et il revient avec The Favorite. Pourquoi j'avais tant détesté, je crois, enfin détesté, ça m'avait énervé en tout cas profondément, La mise à mort du cerf sacré. C'est vrai que j'avais une très prégnante impression pendant tout le film, qu'il s'obstinait à adopter un style à la Kubrick, très forcé en termes d'angle de caméra, le grand angle notamment, certains travelling, certains mouvements de caméra, des cadres qui évidemment rappelaient le Kubrick de Shining, d'Orange Mécanique ou autre, mais avec plutôt une histoire à la Michael Haneke. Et une façon de regarder ces personnages à la Michael Haneke et peut-être même sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça m'avait profondément énervé et je me disais, ce type n'est pas forcément dénué de talent, hein. Au contraire, il a visiblement une vraie maîtrise, peut-être même une trop grande maîtrise. C'est plutôt son regard sur les personnages, moi, qui me gênait profondément, associé au fait évidemment que je ne pouvais pas rentrer dans le film puisque j'avais l'impression juste qu'il se prenait pour un petit maître qui allait torturer ses personnages. The Favorite m'a donné à peu près la même impression, mais accentuée, c'est-à-dire que j'ai pas uniquement vu du Kubrick, même si évidemment j'ai pensé à Barry Lyndon, il le cherche, hein, il le cherche. En tout cas, j'ai pas le sentiment qu'il le cache, qu'il cache pas du tout non plus ses références, son influence de Kubrick est extrêmement prégnante. Là, Barry Lyndon, étant donné le fait qu'on le décorum, à savoir l'Angleterre avec les rois, avec les servants, avec les machins, tout le bordel, donc on retrouve un décorum proche de Barry Lyndon, et puis des personnages qui eux aussi, comme le Barry Lyndon de Kubrick, vont chercher à retrouver, en tout cas à avoir une place importante dans la société, à gagner cette place, à monter des échelons, à devoir faire des choses pas très très belles pour justement avoir leur place, jouer avec les sentiments des autres. Donc voilà, on retrouve vraiment des ingrédients, mais il n'y a pas que du Kubrick là-dedans, et j'ai passé mon temps en fait devant ce Favorite à être embarrassé constamment par des choses qui me rappelaient d'autres films et pas forcément des bonnes choses. Et même, il cherche le décalage, par exemple, parfois un peu pop à la Marie-Antoinette de Coppola. Constamment, en fait, tout au long du film, on va penser à Duncan Russell, on va penser à plein de cinéastes, mais à aucun moment j'ai l'impression de voir le film d'un cinéaste, justement, qui aurait envie de me raconter une histoire, de me dire quelque chose ou d'apporter un peu sa patte, en fait. J'ai l'impression, encore une fois, d'avoir affaire à un premier film, presque, où le bonhomme va te balancer un peu toutes ses références pour s'en débarrasser. Et ça serait un premier film, je dirais, bon, bah écoute, j'attends le prochain, parce que visiblement, t'es pas un incapable. Sauf que là, ce type, on est à son 10e film. Continue de me foutre dans la gueule des choses. Alors là, on est quasiment dans la parodie, hein, parce que je parlais du grand angle de Kubrick, par exemple. Là, il va le pousser à fond, et on a affaire à du fisheye, on dirait presque du Terry Gilliam par moment. C'était dégueulasse. Enfin, visuellement, moi, en fait, j'ai trouvé le film assez laid, bizarrement. Évidemment, de temps en temps, tu te dis, ah tiens, cette lumière est jolie, et la caméra bouge, et tu te dis, bah non, il a fait ça par-dessus la jambe. Regarde la lumière dans le fond de ton cadre, là, bah, ça ressemble quand même pas à grand chose, t'as pas fait d'effort pour éclairer ton extérieur, par exemple cette lumière de château, quoi. Enfin bref, le fait est que j'ai l'impression d'avoir eu affaire à un film de faussaire, mais pas de contrebandier, de faussaire. Je sais qu'Antonin, toi, t'as pas été jusqu'au bout. Je rebondirai éventuellement sur ce que dit Jules, mais moi j'ai exactement le même ressenti que toi. Je suis allé le voir en salle et je me suis cassé au bout d'une heure parce que en fait ça m'énerve trop, ce genre de film. Alors, comme je n'ai pas votre culture de cinéma, non, je populiste. J'ai vécu avec M6 et tout ça. Mais comme j'ai un peu de culture également. De mon côté, je me suis régalé à regarder ce film parce que ça combine à mon avis le et ce que ça raconte dans le fond,
entre ce trio qui se met en place de manipulation, donc pour remettre un peu dans le contexte l'histoire de Favorite, c'est une reine d'Angleterre qui est au pouvoir, mais qui n'a aucune conscience extérieure, politique, des enjeux qu'elle met en place quand elle prend des décisions pour le peuple et des millions de personnes, qui vit en vase clos dans son petit univers et ce décorum, effectivement, qui peut rappeler énormément ce décorum du 18e de Barry Lyndon, parce que c'est la référence ultime du film d'époque, et qui est accompagnée d'une duchesse, la duchesse de Marlborough. Tout ça, c'est une histoire vraie. Enfin, après, c'est sûrement adapté. Et qui, cette conseillère, finalement, tient les rênes et fait office de Premier ministre, qui, finalement, prend les décisions à sa place, ou l'oriente et la conseille. Et qui plus est, a une relation à caractère pew. Débarque dans ce duo qui fonctionne depuis très longtemps, donc il y a quand même un historique assez fort qui se met en place et qui nous raconte ça d'une façon, non pas sans nous le montrer, mais d'une façon assez subtile de nous raconter cette relation qui nous le pouvoir et les sous-fifres et les accompagnantes. Et débarque une arriviste. Une Rastignac, une jeune fille qui était noble, mais et ça on le comprend très vite, avec son père qui était fan de jeu et donc qui a été un peu destitué et qui veut absolument, qui est très très ambitieuse et qui veut, et là on retrouve forcément l'influence de Barry Lyndon, même si on l'a pas vu, mais en tout cas d'avoir un personnage qui débarque très vite et qui est très ambitieuse et qui veut avoir à nouveau ce statut. Et donc qui est en l'occurrence cette personnage qui est joué par Emma Stone, Abigail Hill, qui va très vite s'accorder les faveurs de cette reine et aussi les faveurs de la conseillère de la duchesse. Et donc voilà le trio qui est en place. Et on a ces personnages qui, d'un côté, la duchesse qui, elle, est aussi très tacticienne, qui ressemble énormément à cette future prétendante, à Abigail, une duchesse qui est tacticienne, mais qui est tacticienne avec une vision de nation, qui a une vision politique des choses, et qui se retrouve face à une petite arriviste qui, elle, ne pense qu'à sa propre personne. Donc on a aussi beaucoup de recul sur une vision politique des choses, de dire est-ce qu'on fait ça pour sa propre personne, le pouvoir pour l'émancipation personnelle, ou le pouvoir pour à hauteur d'un peuple. Donc là, on peut reprocher, je comprends très bien, on peut reprocher l'outrance et le style visuel qui prend le pas très très vite sur le propos, mais le propos est extraordinaire, moi je trouve, sur ce trio qui se met en place, et en tout cas le plaisir que moi j'ai trouvé, et par le biais de peut-être ma propre, alors c'est pas pédant, mais de dire propre culture de cinéma, de dire je suis face à un film qui me donne plein de pistes par le son, par l'image et par le dialogue, et qui me fait me mettre en place d'analyse. Et j'analyse en permanence, dès la première vision, toutes ces choses-là. De me dire, ah oui, il y a ça qui se met en place. Alors, et au niveau du propos, du scénario, de ce trio qui se met en place et de l'influence que ça peut avoir, de voir ces personnages-là se bagarrer par les mots et d'avoir un concours de bons mots et d'être très, très éloquent. Et c'est génial de les voir se bagarrer par le verbe. Et en même temps, de voir le travail qui est très présent, on le voit à l'écran, voilà, et de l'utilisation de ces grands angles et de ces focales très très courtes qui mettent en plan tout le monde, et de comprendre et de me dire pourquoi il fait ça, parce que c'est tellement évident, c'est tellement grossier ce visuel que c'est pas là par hasard. Donc voilà, il me tend des perches et de me dire pourquoi tu fais ça, et moi ça me met au travail, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui me donnait autant de pistes que je voulais explorer, et j'ai passé mon temps, et c'est pour ça que je l'ai depuis vu trois fois, à me dire waouh, là s'il me met ça en place dès la cinquième minute, c'est parce que je sais qu'il va se passer là ça dans un quart d'heure, et d'une façon, de l'histoire, du visuel, du son, du montage, c'est un jeu de pistes et pour moi un plaisir de spectateur, d'analyse permanente, de me dire bon, allez, je comprends l'histoire maintenant, pourquoi
pourquoi il met ça en place et comment il le fait. Et il y a des tas de pistes. Donc j'ai peut-être trois pistes sur l'image. Et je sais que ça peut être vraiment le ce qui peut être le plus déconcertant et le plus... est-ce qu'on peut mettre le doigt dessus pour dire et se moquer. C'est une utilisation exacerbée et qu'on a peut-être rarement vue, excessive d'une courte focale, c'est-à-dire un objectif qui va mettre un maximum de choses à l'écran et de pouvoir filmer une pièce gigantesque d'un château et de ne laisser aucun hors-champ possible à la vision de tous. Et je vais me battre pour pouvoir me dire qu'il y a une justification absolue à l'outrance de cet objectif. C'est à la manière d'une caméra de surveillance, d'une super caméra de surveillance en fait. Mais voilà. Mais moi je comprends, entre guillemets, enfin je comprends pas forcément tout ce qu'il a voulu faire dans le film, évidemment. Mais je reste convaincu en fait que cette outrance même dans la mise en scène et même cette utilisation de ce fisheye, parce que c'est un peu ça quand même, hein, cette très courte focale avec ce grand angle qui permet, comme tu le disais, de voir toute cette pièce, d'avoir même le sentiment que la pièce bouge autour du personnage quand la caméra bouge. Enfin, ça donne visuellement quelque chose de, entre guillemets, assez fort, d'assez marquant. Mais cet excès, en fait, moi, me semble inutile. Enfin, inutile. Je sais, je comprendrai tout à fait ce que tu veux dire. Je suis absolument pas sensible à ça. Je sais que je préfère, en fait, des cinéastes qui vont être beaucoup plus subtils dans leur manière de présenter les mêmes problématiques. Je pense qu'il y a en effet un scénario qui est intéressant, un scénario à la Barry Lyndon dans tous les cas, et c'est vrai que ce trio, moi je trouve, fonctionne plutôt bien. Le personnage de la reine en question est même plutôt intéressant, et même si c'est des personnages à côté que j'ai déjà vu et que que je trouve pas forcément très très bien écrit au fur et à mesure que l'histoire se déroule, mais en tout cas il y a quelque chose d'intéressant dans le scénario, et ce que tu dis, je l'ai ressenti aussi, et c'est intéressant. Mais je suis pas du tout convaincu en fait que la mise en scène soit adaptée pour raconter cette histoire. Moi j'aime cette exubérance et de me dire d'essayer de me remettre dans le contexte que personne n'a vécu, de se dire quel était le contexte de regarder à travers la vitre, à travers, comme tu l'as dit, voilà, cette caméra de surveillance ou ce Judas ou d'essayer de capter le maximum de choses et d'avoir un espèce de miroir déformant, parce qu'il faut savoir que tout ce qui se joue dans le film se joue à travers la noblesse, à travers cette vision d'aristocratie, et toutes les grandes décisions qui sont prises par les conseils, par les conseillers, par les ministres, pour finalement avoir soit des millions de morts d'un côté des Anglais, ou soit des millions de morts d'un côté des Français. Et en fait, tout se dit par le texte, et à aucun moment... on est confronté à ce hors-champ qui se rapporte au peuple. Et donc, moi, j'aime cette vision de le peuple étant la majorité, a toujours voulu lorgner un petit peu, on va dire, nous aussi, sur Versailles ou sur ce milieu qui est complètement hors du temps. Et que si on regarde ça, nous, en tant que spectateurs, et même à notre époque, d'un regard extérieur, ça va forcément être déformé, et que tout ce qui se joue à l'intérieur de ce château va être de l'ordre du spectacle, du décorum. Et il fait très bien les choses en montrant des séquences, et en plus il accélère. Alors voilà, oui, je comprends, et il accentue beaucoup trop les choses peut-être, mais à chaque séquence de décadence, et pour appuyer cette décadence de ce milieu complètement amoral de ministres qui dans la minute vont pouvoir se retrouver dans des orgies ou de faire les choses qui n'ont aucun rapport avec le maintien de l'ordre d'une nation, il rajoute ça avec des grands effets de ralenti, mais moi j'aime beaucoup, voilà, cette vision d'encercler, ostraciser cette micro-société qui vit et qui vit absolument pas du tout dans la réalité, et d'être complètement déformée par cet usage du fisheye. Deuxième chose, et je termine juste avec cet emploi du fisheye là, vraiment je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites avant même que le visuel ne se mette en place par les dialogues, et entre autres, il y a une discussion qui se met en place entre un ministre qui veut se mettre un petit peu dans la poche la future super favorite de la reine. Et donc cette future favorite, c'est Emma Stone, qui ne remporte pas beaucoup de suffrages en tant qu'actrice dans sa filmographie parmi les copinages qu'on peut avoir. Et donc là,
J'ai l'impression qu'il a spécialement casté cette actrice-là pour une, parce que c'est la seule américaine en tout cas du lot et qui bah oui qui a pas un jeu d'actrice super voilà, c'est pas Isabelle Huppert quoi, mais par contre le personnage lui dit et exactement il lui dit j'ai besoin d'une amie qui a des grandes oreilles et de grands yeux, et en fait en anglais il lui dit j'ai besoin d'une amie qui a des wide eyes, et donc ce personnage-là devient le, enfin c'est interprétation, hein, devient le wide eye, c'est aussi le wide angle, c'est la courte focale, c'est le grand angle pour observer et être un petit peu à l'intérieur de ce qui va se passer pour la nation. Et donc juste ce moment-là qui arrive au bout de 20 minutes de discussion très forte entre ces deux personnages, ben amène l'utilisation de ce fisheye, parce que il lui a dit voilà, tu vas être mon grand angle dans ce terrain, et tous les dialogues amènent à une décision particulière, que ce soit, et chaque séance et chaque dialogue j'appuie vraiment sur le fait que il y a un truc très visuel dans ce film, mais ce qui se joue et ce qui se trame entre les trois personnages et de ce que ça raconte, c'est la prise de pouvoir et de manipulation. C'est jouissif de les voir se bagarrer et de voir une bagarre aussi visuelle qui se met en place, sans rajouter le son et la musique et le montage qui amène encore plus cet effet aquarium de dire ce petit truc très fermé, très 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 angoissant qui se met en place. Voilà, en tout cas, voilà, ouais, plaisir fou de voir des actrices qui se donnent à cœur joie, mais tout ça c'est très fermé, très clos. On n'a pas beaucoup de place dans l'évasion. Tout est très ténu et moi j'ai pris un plaisir mais fou et même encore à voir cette force d'analyse et cette force de perche tendue par Yorgos. Parce que je l'appelle par son prénom. Parce que c'est ton pote. Ouais, parce que vraiment. Et il faut savoir que. Ben oui, avec Lanthimos, là, j'avais pas du tout accroché avec la mise à mort du Cire Sacré, là. Où là, j'avais vraiment vu, là, je suis d'accord avec toi, Étienne, sur le faiseur et d'avoir une distance folle. Et un peu, voilà, comme le rapport que je peux avoir avec Haneke, de me dire, j'ai pas de place là-dedans, tout est déjà tracé, tout est déjà écrit, et j'ai aucune marge de manœuvre, moi, en tant que spectateur. Alors que avec The Lobster, j'avais adoré sa proposition de personnage, et à nouveau encore, étonnamment, davantage porté sur le récit, avec quelque chose qui peut être un petit peu tordu, un petit peu d'actualité, ou de pouvoir attirer le spectateur sur une histoire un peu tordue, comme peut-être avait fait, je sais pas, fut un temps Bing John Malkovich. Voilà, des scénarios un peu tordus avec un pitch qui peut être un peu vendeur sur une affiche. Et de nous proposer des personnages qui sont malheureux et qui ne montrent pas forcément. Donc voilà, je vais me battre pour adorer encore et encore ce film. Et il faut dire que ce chef-op, il est farfelu, il est fou. C'est le chef-op aussi de André Arnold. Qui s'appelle comment Robbie Ryan, chef-op de André Arnold, de Fish Tank, Les Hauts du Hurlevent, ouais. Et aussi, bon, on dira pas, on va le dire entre nous, c'est un peu le chef-op dernièrement de Ken Loach. Ça m'intéresse qu'il soit à la fois chef-op de Ken Loach et qu'il fasse ce travail-là. Après, on parle du fisheye de ce grand angle. C'est pas non plus tout le film n'est pas filmé comme ça. Faut pas avoir cette impression. Mais ça intervient à des moments un peu saugrenus parfois. Juste pour terminer sur cet esthétisme. Ce que je parlais tout à l'heure de Ken Russell, c'est vrai que moi, il y a un moment, j'ai pensé au diable justement par rapport à cette non pas à cet excès, mais à cette ce paradoxe entre les sujets qui sont censés être traités par les politiciens, voilà, le peuple, tout ça machin, et puis évidemment le comportement des gens que peuvent avoir. Et le film de Ken Russell, Les Diables, est très baroque et excessif, et moi me pour le coup me touche beaucoup, même profondément. Donc voilà, je demandais pas non plus à, enfin je demande rien à Yorgos, hein, c'est pas mon job, mais je m'attendais pas à avoir une rigueur comme celle de Kubrick dans Barry Lyndon. Je lui demande pas de, s'il veut raconter cette histoire-là, de copier Barry Lyndon et la rigueur de Barry Lyndon. Il peut faire du Terry Gilliam s'il a envie de faire du Terry Gilliam, je veux dire.
Mais je ne suis pas du tout convaincu, encore une fois, qu'il ait trouvé la bonne manière. Enfin, j'aurais pu être beaucoup plus touché par son histoire et ses personnages, même si, encore une fois, il n'y a peut-être que le personnage de la reine, moi, que je trouve touchant dans ce film, par son évolution, par aussi les émotions qu'elle peut avoir. C'est le seul personnage auquel je peux m'accrocher aussi, parce que les autres sont un peu manipulateurs, évidemment. Donc là, il y a un personnage honnête, tu t'y accroches. D'ailleurs, tu me disais qu'elle a eu un Oscar, je crois, l'actrice, pour ce rôle, et c'est vrai qu'elle est tout à fait parce que ce personnage, on s'y attache, parce que c'est peut-être le seul personnage honnête en fait de cette histoire. Là où je voulais, pour terminer, et je vais peut-être laisser Antonin avoir le mot de la fin, c'est que je reste intimement convaincu qu'il cherche, lui, Yorgos, à être la star de son film, en fait. C'est ça qui me gêne le plus profondément quand je regarde The Favourite, c'est que pour moi le personnage principal, quand je vois ça, je me dis c'est Yorgos qui veut montrer qu'il est là constamment, quoi. Et moi ça me dérangera toujours quand je regarde un film de me dire ah tiens, le réalisateur veut pas qu'on oublie qu'il est là, quoi. Ceci dit, ça c'est l'influence Kubrick, quoi. Enfin, moi je sais que je suis pas vraiment kubrickien dans l'âme, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui me gêne toujours dans ces films, quoi. C'est que j'ai l'impression qu'il y a il y a quand même filmé des choses comme des jeux d'échecs, avec les personnages seraient chacun à leur tour des pions, quoi. Et toutes les thématiques que tu viens de déployer, c'est un peu ça, quoi. C'est on est qu'importe que ça soit la pulsion qui nous guide ou une vision vraiment humaniste ou géopolitique, de toute façon, voilà, on n'est que les jouets d'un personnage. Et de toute manière, même si on déguise nos pulsions derrière un truc géopolitique, voilà, on est juste des machines qui sont prises, dans le cas de Kubrick, dans une mise en scène qui est elle-même assez machinale, c'est-à-dire très cadré, très géométrique, très froide, qui montre vraiment les déplacements de passion, les déplacements de personnages dans un jeu qu'il a lui-même très bien mis en place de façon extrêmement maniaque et qui sont le reflet de sa vision du monde. Du coup, extrêmement froide et qui laisse peu de place, en tout cas à mon sens parfois, à une vision, à une sorte à l'identification, en tout cas, hein, l'identification du spectateur à quelque chose qui soit... Et moi, je sais qu'en tout cas, sur les héritiers de Kubrick, qui sont nombreux, je pense, de façon très dévoyée, déviée, très lointaine parfois, mais pour moi, c'est ce pourquoi il est l'auteur le plus important du siècle, je pense que c'est le mec qui a fait à la fois le plus de bien et de mal, et probablement plus de mal, c'est qu'il y a un côté très... moi, ce pourquoi je ne peux pas regarder ce film-là, j'ai du mal à regarder ce film-là, c'est que je me dis, mais là, je ne vois, comme tu disais, Étienne, qu'un jeu d'échecs, en fait, quoi, et que moi, les personnages, en gros, moi, ça m'intéresse pas, que je vois la vision qui va être déployée, qui ne m'intéresse pas spécialement, parce que je préfère lire des articles pour voir ça, enfin, je préfère voir autre chose que du cinéma pour voir ça, je ne vois qu'un truc extrêmement froid, qui est une vision que j'ai envie de voir en second plan, pas en premier plan, et là, je ne vois ça, cette vision-là, très rationnelle, très machinale, très... très lointaine, très surplombante, je ne la vois je la vois en premier plan, toujours. Et je ne la vois pas en second plan comme une sorte de vision d'auteur, je la vois comme quelque chose qui est de toute façon qui guide tout le film. Et c'est toujours quelque chose qui m'a un peu gêné dans les films de Laurentinos, parce que moi je le prononce mal, mais c'est toujours quelque chose qui m'a gêné. Alors, pour terminer cette émission, je vais te laisser évidemment, Jules, dire un petit mot. La première, parce qu'il nous reste peu de temps, c'est que pour tous ceux que ça intéresse, qu'est-ce que Kubrick a laissé aujourd'hui, j'ai vu que le dernier Rocky-rama parle justement de ça. Que reste-t-il de Kubrick? Je ne l'ai pas encore lu, évidemment, mais je pense que ça peut être très intéressant comme sujet. Et la deuxième, justement, par rapport à Kubrick, peut-être la différence qu'il y a avec Yorgos. Et même si je comprends et je suis tout à fait d'accord avec toi sur Kubrick, hein, et sur cette espèce de monstre qui dirige le film et qu'on ressent quand on voit un film de Kubrick,
je continuerai à les revoir, ces films, en fait, parce que de plus en plus, je me rends compte aussi qu'il, bah, voilà, lui, il a un sujet qui l'intéresse plus que peut-être que Yorgos, c'est vraiment l'humain, en fait. On retrouve constamment des choses sur l'être humain, et j'ai beaucoup plus, enfin, je crois beaucoup plus au personnage de Kubrick que je ne crois au personnage là de Yorgos. Je vais laisser Jules, je te laisse le mot de la fin, si tu veux. Bah, le mot de la fin sera encore ramené sur Kubrick pour rebondir et être complètement d'accord avec voilà, cette vision que tu as de Kubrick, le joueur d'échecs, et de terminer avec Lanthimos qui, cette fois-ci, comparé à Kubrick, a mis de l'érotisme dans son film, alors que j'ai bien l'impression que Kubrick, à part Eyes Wide Shut, ou pour moi qui est un film de récupération et de dire qu'est-ce que j'ai pas encore fait, bah, j'ai pas encore parlé de cul, donc je vais en faire, et d'une façon beaucoup trop précipitée, dans The Favorite, au-delà de ce, et là je suis complètement d'accord, cette surenchère et cette place de cinéaste qui est vraiment là, de dire regardez, je fais des films, je mets du sens à tout, il y a cette plus-value de ce trio où le sentiment se met en place, et si moi ça m'a tellement à court terme l'a marqué, c'est que au-delà de l'émotion de l'analyse de cinéma et du sens que ça prend entre le récit et ce que ça montre et de la forme et du fond, c'est que il y a eu des frissons, et donc l'indicateur à trois moments dans le film il y a des frissons. Donc mon indicateur frisson a fonctionné. Donc, c'est le meilleur et le pire en même temps. Donc ça a marché. Donc s'il y en a trois, c'est que ça, pour moi, ça fonctionne. Je vais laisser Étienne reprendre le mot de la fin pour terminer avec Kubrick et pour dire au revoir. Mais en tout cas, merci de m'avoir accueilli pour The Favorite. Après, je reviens pour le prochain film iranien qui sortira à la fin de l'année. Ciao. Merci Jules Topoc, il est malheureusement temps de se quitter. On n'aura pas encore parlé aujourd'hui de The Man Who Killed Hitler and then de Bigfoot. Alors que c'est le film préféré d'Étienne de l'année. Non, il ne veut pas en parler. C'est juste qu'il y a un moment, ça fait trois semaines qu'on doit en causer. C'est vrai qu'on n'a jamais le temps, alors que ça reste juste un petit film, mais qui me plaît. On en reparlera une prochaine fois, peut-être à l'occasion d'une spéciale Candyman qu'on fera bientôt, j'espère, qui sera projetée d'ailleurs par la nouvelle Assaut de Rennes 97mm dans un bar. C'est dommage, mais bon, c'est déjà bien de montrer Candyman. Merci Antonin, merci Jules Topoc, bien évidemment, d'avoir participé à cette émission. On rappelle que vous pouvez la retrouver sur le site de Canal B en podcast, et puis sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. Alita, comme The Favorite, sont au cinéma en ce moment. Et puis, n'oubliez pas que ce dimanche... C'est disponible sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. N'oubliez pas que ce dimanche à 21h15, un truc comme ça, à l'Arvor, aura lieu la prochaine séance des films du dimanche soir. Et ce sera Sacré Graal des Monty Python. Ça peut être sympathique, j'ai pas vu, ça peut être pas mal. A priori, c'est drôle. On se quitte avec pas d'autres annonces particulières à faire. Plein, d'ici mais là, si, 20 milieux sous les mers. Ah oui, voilà. Mardi prochain, donc je sais pas. À l'Arvor, toujours. Le 3 mars, hein, il me semble, mais de Richard Fleischer. Et on sait que voilà, ça va être super. Ne ratez pas 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer le mardi 3 mars à l'Arvor, encore une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se quitte avec un extrait d'un documentaire de Werner Herzog qui parle de comment les machines vont faire du cinéma plus tard, comme Kubrick. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous. I think we're going to get to the point where almost everything we do will be done by machines. And we still need people. But I mean, if you ask the question about will there ever be a artificial intelligent machine that makes movies, absolutely yes. Will it be quite as good as yours? No one can even come close. Of course not. But actually, I think almost everything we do, we find machines doing better. And the reason why that's the case is because machines just learn faster than people can learn. But they cannot fall in love as we can. And will it be useful for machines to fall in love? Will we want to have machines that are just like people? I would say no. Honestly, if my dishwasher came to me and said, look, I'm falling in love with a refrigerator, and as a result, I have no time to wash your dishes, I wouldn't like that dishwasher.